Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 744, nan rubrik nou an, ma bible, mon trésor, nou vle kontinye pataje ansanm avèk ou menm kek enfòmasyon ou dwe konnen. Mesaj sa yo, se youn nan prèv tout bon vre ou se yon moun espesyal. Dieu vous aime. Le Seigneur a un plan merveilleux pour votre vie. Le Seigneur travaille avec vous, en vous et pour vous. Les yon moun ou converti à Dieu, ou gen Jésus dans la vie ou, ou se yon moun ki possède l'essentiel. Et l'essentiel ça signifie toute qualité, grand privilège et bénédiction que ou ap joui nan men bon Dieu. Lan za fè qualité bon jan nouriti ke nan mou bezwen pou pa tombe nan famine, nan dizèt, nan sécheresse spirituelle. Nan Jean chapitre 6 verset 35, Jésus lui-même dit: "Je suis le pain de vie." Nan époque sa Jésus t'a dit parole sa yo, le pain te représentait qualité nouriti matériel que moun bezwen pou viv en santé. Et c'est ça qui fait Jésus continuer dans le même texte là pour dire: celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. L'un ami au monde bien nourri, ça veut dire qu'il a assez de force, d'énergie pour le capable faire face à toute qualité, épreuve, difficulté dans la vie. Imaginez-vous la vie au cachet avec Jésus-Christ, la caille bon Dieu, et puis tout. Nan mou bien nourri avec ce pain de vie, ça veut dire ou pa yon piti mis en gado. Satan pa capable pran pied sou ou même. Et ça la fait de ou même un homme fort, une servante de Dieu forte, un plus que vainqueur. Et puis tout, depuis nan mou bien nourri avec la parole de Dieu, avec le Seigneur Jésus, ou pa pral fouiller nan fatra ou bien poubelle Satan le diable. Le Seigneur Jésus pas quitté nan mou grand goût. Et ça fait toujours dans Jean chapitre 6 verset 48, il dit: "Je suis le pain de vie." Dans verset 51, il dit: "Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement." N'a rappelé qu'une âme affamée est l'une des causes de graves maladies spirituelles. Zanmi mwen, se bagay ki grav, oui, le koyon moun ap jwenn bon jan nouriti materyèl, le fini pou nan mi ap soufri gran gou. E sa pi grav anko, le yon moun, non seulement pa jwenn nouriti pou ko li, le fini nan li mal nourri. N'oubliez jamais, Jésus est le pain qui vous rassasie. Information que ou dwe konnen pou nan mou pa tombe nan déshydratation. Et pour pas quitter soif tiye ou, nous tout connaît l'importance de l'eau dans le corps. Il en est de même pour l'âme. Et ça fait Jésus dit dans Jean chapitre 7 verset 37: "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive." Nous songeons Jésus te dit femme samaritaine nan, "Dlo ma ba wa la tourner yon sous. Yon sous k'ap koule rive juste nan vi k pa janm finir." Dans Apocalypse chapitre 21 verset 6 nous lit: "À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement." Ou met vini passer soif ou pas payer yon adoquin. Le Dieu tout-puissant vous donne tout gratuitement. Zanmi mwen, le Seigneur Dieu veut prendre soin de votre âme. Et c'est avec un pile assurance ou capable répéter: le Seigneur c'est toute bagaille pour vous. Il est le pain qui rassasie votre âme. Il est l'eau vive qui vous désaltère. Et ça qui est belle là, le Seigneur vous donne tout abondamment et gratuitement. Zanmi mwen, ne laissez pas votre âme souffrir ou mourir de la faim ou de la soif. D'ailleurs, dans Psaume 23, notre Dieu Tout-Puissant nous dit: "Il est celui qui restaure l'âme." Moun ki gen oreille pou tande, tande information sa yo ke ou te dwe konnen. Et n'ap invite ou très spécialement sou bout konfè sa, abonne ak chanel la. Pendant abonne,
al souti cloche notification, choisi tout. Ou capable toujours quitter un commentaire, ba nou un like et tant pri, partager lien à quelques autres moun nan lis contact ou et mande ou pou yo fè même bagay la. Merci beaucoup et à la prochaine.